Ils nous ont tout pris. Mon père, le duc Anund, s'est battu toute sa vie pour préserver sa foi et sa religion. Il a tenté de combattre la tyrannie de notre roi de Suède et finalement a été enfermé lâchement et destitué de tous ses titres. Mon père, qui était destitué, venait tout juste de récupérer son titre quand le roi déclencha une nouvelle guerre contre lui sans aucune raison. Il mourut bien sûr au champ de bataille et vivra toujours au Valhalla. En ce jour de 1110 après Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Moi, le roi Ragnvald Andundsson, premier du nom de duché de Salmande, promet en ce jour de venger mes pères, venger tous ceux qui ont terrorisé et assassiné mon peuple. L'heure est venue de commencer ma légende. YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la partie viking avec le catholique roi Unprofre de Lapland, accompagné de Favali, le fidèle à sa troue, le duc Ragnvald Anundsson de Jorvik. Comment vas-tu, Favali ? Aujourd'hui pour un nouvel épisode et toujours survivre face au roi de Suède où je dois récupérer son titre, mais bon. On verra ça dans cet épisode-là. De ce côté, je vais t'aider, Kyo, à 100% pour que tu récupères l'homme de Norvège, pour que tu récupères des titres, pour que tu te convertisses, parce que là, c'est pas possible. Cinquième épisode. Non, quatrième épisode, ou cinquième, ouais. T'es toujours pas converti. Voilà. Dans ton cul, bon cato, tu vois. Et en plus, il a osé demander de l'argent au pape, quoi. C'est encore pire. C'est vrai. Mais j'arrête. J'arrête, promis. Aujourd'hui, j'arrête. Voilà, c'est ça. On veut tous arrêter, Guillaume, on n'arrive pas. Crusader King 3, c'est tellement passionnant, on ne peut pas arrêter. Écoute, la vie a ses raisons que la raison elle-même ignore, donc il me faut le royaume de Danemark, on est bien d'accord. Un étranger à la cour. Parce qu'il était dégueu et maintenant il devient... Il va devenir un de mes chevaliers parce qu'il va être recruté à ma cour et il est devenu hyper boosté en fait. C'est pété. D'accord. Ah non, ou alors c'est buggé parce que j'ai pas l'impression qu'il a réussi à bien remettre ma cour. Bon, c'est pas grave. Alors. Vendez vos mensonges ailleurs, c'est parfait. Bon, il me faut de la piété, Favali. Bon, il me faut de l'or, on part pied. Pourquoi est-ce que tu pilles alors que tu pourrais piller tes propres vassaux ? On peut pas piller nos propres vassaux. Ben si, avec l'extorsion. Le royaume d'Alba, s'ils ont encore... Ouais, va au royaume d'Alba si tu veux piller. Ces gars-là, ils ont des réserves de fric absolument incommensurables. Et l'armée est à chier. Alba, je vois pas. Ah, c'est là-bas. Non, mais il y a quand même 3700 hommes. Et de toute façon, je préfère prendre Londres, c'est mieux. Ouais, d'accord. L'Angleterre a quand même 5800 hommes, hein, tu vois. C'est moins cher. Quoi. Ah, la France est en guerre, tiens. On va peut-être passer vers Paris pour dire un petit coucou. Il y a quand même 50 balles directement dans la capitale. Hein, pour un seul pillage, c'est rentable. 50. J'avoue. 50 balles. J'avoue. Ça fait des petites poches d'argent super sympas. Mais maintenant que j'ai accès à la mer du Sud, hein, je peux peut-être piller mes voisins. 21 balles ici, 7 balles. Ouais, c'est nul. Hein. La Finlande, 15 balles. La Pologne est forte ou pas ? Ouais, quand même. En vrai, non, Alba, c'est vraiment la cible de choix, quoi. Défenseur de la foi. Je serai un défenseur de la foi. Alba, c'est rien. Non, Alba, c'est le meilleur.
Voilà. D'ailleurs, je vais aller piller Albin, si ça te dérange pas. Pille, pille. Je vais construire des bâtiments chez moi aussi. Ah, mais j'ai pas assez de prestige aussi, ouais. Bah parfait, raison de plus pour aller pipi. Pour aller pipiller. Sauf que c'est avec des armées de siège et pas avec des armées de... Des armées normales. Ou alors, est-ce que je pillerais pas le roi de Suède? Non, j'ai pas assez de troupes pour ça. Ah, j'aime la tunasse. Ah, c'était mon cheaté. Toute l'or des pillages sont investis dans l'espion pour assassiner le roi. C'est ça. 5% de chance de mourir. Et j'ai quand même tué le bonhomme, ok. Oh, la Bretagne a pris la Normandie. C'est un jour incroyable pour notre pays. Oh, Brest, Bagana, Boulana, Baltele. La ligne breton. Enfin, la vengeance était faite. Ils font assassiner le duc de Bretagne. Ah là, c'est un jour merveilleux. Votre nation. Waouh. Vive la Bretagne. Et vive les crêpes. Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Ah là, c'est bon. Magnifique. Magnifique. Ah, affreux. Ah bon? Non. Mais c'est magnifique, regarde-moi ça. Terriblement horrible. Ériger une pierre runique, ça c'est bien pour avoir de la piété. Mon ascension au trône de Lapland. Je connais pas les endroits que j'ai. Ça c'est un endroit que je contrôle, ok, c'est parfait, ça va être ici. Et ça y est, j'ai 4000 de piété bientôt. Favali, j'espère que tu as de grandes chances de l'assassiner. Je compte sur toi. Ne t'en fais pas. Le monde juste entier après. Compte sur toi. Juste après. Bientôt, très bientôt. Ah, je peux pas l'assassiner. Ah oui, mince, j'avais déjà essayé de faire un complot avant. Et j'ai pas réussi. Ah, donc tu l'as pas assassiné. Avant le 7 septembre. Ah bah tiens, c'est le 7. Bah on est le 7. Ouais. Ça, au moins, c'est fait. Voilà, on bloque. Parfait. L'assassiner. J'espère que tu peux arriver à 95%. Ah, le roi de France veut m'attaquer. Bah, affronte mon armée, mon petit. Alors, tu croyais me vaincre comme ça, Ragvald Adunson de Jorvik? Eh ben non. Tu es défait, mon ami. Il a plus d'armure que le roi de France. Il a 900 hommes, il n'y a plus rien. J'aurais tellement dû piller la France avec toi. Je regrette. Avec toi. Nous allons piller ensemble. Agent découvert, super. Je suis à 5% de l'assassinat. Hein. Le Danemark a encore les reins solides. Encore frappé. Hmm. 5% de chance qu'il meure. Évidemment, il n'est pas mort. Il n'a pas trépassé. Eh ben mon roi, si. Il vient de trépasser. Oh, purée, joli. Bah écoute, si t'as envie de déclarer la guerre pour avoir le royaume de Suède, c'est le moment. Sachant que nous sommes alliés, je crois. Oui. Alors, ouais, pause. Alors, le royaume de Suède, il a combien de troupes? Il y a quand même 3000, hein. Il est en guerre contre la Hongrie. J'en ai 5000. T'en as 5000, t'es sûr que tu peux intervenir parce qu'il y aura l'ordre sacré, hein. Ah oui, c'est vrai, il y aura l'ordre sacré. Ah... elle était à combien l'ordre sacré Et ouais. Ah attends, bah, je suis con, je suis catholique, je pourrais le savoir ça. Alors l'ordre sacré,
Quel traître. Elle est à 600 hommes. Ils sont déjà embauchés. D'accord. Donc l'ordre sacré n'est pas disponible. On a intérêt à le faire vite, hein. Ouais. Donc c'est toi qui vois. Je t'invite. Clac, je lance. Rejoins, rejoins, rejoins. Ah, bon, écoute, je vais me coucher. Tiens, j'ai une guerre à déclarer. Quoi? Let's go, la guerre! Est-ce que tu réussiras là où ton père a échoué? Peut-être. Vous le verrez dans cet épisode. Hein, quoi? Ah oui, dans cet épisode, d'accord, on est bien d'accord. Bien sûr, dans cet épisode. Je pensais que t'allais dire, nous verrons dans le prochain épisode, j'allais dire merde, déjà. Non, quand même pas. Même pas. Oh la vache, il a déjà amené les armées! Ah, au secours, Kyo! J'arrive. Il y a déjà 2700 hommes. Oh, j'ai pillé sa capitale, ça te dit? Bah, vas-y. Je fonce dans sa capitale, tu peux attaquer son armée, s'il te plaît? J'ai pas assez de troupes. Je m'en occupe. Merci, tiens, tu veux de l'or? Ah, oui, non, je pense qu'on a déjà assez. Le mec est carrément paragon de vertu, rayonnant. Kyo, tu es rayonnant, tu savais? Je suis un très bon catholique. Très bon catholique. Prêtre. Mais ça y est, je peux me convertir à la fois à Satrou. Mais si je le fais, est-ce que j'aurais... Ouais, tu sais quoi? Je m'en bats les couilles du royaume de Norvège. Il est temps d'embrasser ma vraie religion. Oh, t'es sûr, maintenant? Après la guerre, parce que si tu prends des révoltes, parce que tes vassaux ils sont pas contents? Mais si, ils vont être contents. Mais... je sens que ça va se passer. Bizarrement. Bon bah, fais-le, hein. Si les vassaux mécontents, je le connais, hein. Je suis un fier à sa troupe. Fier et fidèle. Oh non, je ne le suis pas encore, mais ça va l'être. D'abord, je vais finir ma quête que je suis en train de faire actuellement. Bon. Là, il n'a pas fini l'ordre sacré pour l'instant. La capitale sera prise dans 7 mois, il faut tenir. Toi, réponse. J'ai des habits douloureux. Tu pourrais pas attaquer directement son armée vu qu'il y a 5000 hommes à l'autre bout. Comme ça fera déjà les soldats en moins, parce que s'il y a l'ordre sacré qui arrive, il y aura déjà 6000 hommes. S'il a ses 2000 hommes en moins. Mais non, t'inquiète. Mais si. Il était où, toi? Dans sa capitale qui est en Angleterre. Oh, d'accord, ok. Ah, vu qu'il est un enfant, j'ai des chances comme de le capturer vu qu'il ne peut pas rejoindre l'armée. Ça pourrait faire que la guerre soit terminée très vite. Pas bête, hein. Oui, je prends le territoire et j'y vais. Et le souci, c'est qu'ils me mettent que j'ai des chances de perdre, alors je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est son commandant? Ça doit être mon commandant. Il a un commandant à 25. Dans 10 jours, la capitale est prise, ça se peut que ce sera déjà terminé, alors confronte pas. Sauf si tu peux... Ouais, c'est J'y vais. Bon bah on n'a pas réussi à le capturer. Hein. Défends dans la taïga et ce serait à cause de ça que je me fais avoir. Tu peux pas lever des mercenaires pas loin de ta capitale, là où je suis? Non. En fait, faudrait pas qu'il soit dans la taïga. Et là, une traversée de fleuve. Je peux les lever si tu veux, mais je serais endetté. Hein. Alors, ça, je sais pas si ça va vraiment aider. Ce qui défend en fait dans la taïga, ce méchant garçon. Et en plus, j'ai mon ravitaillement qui diminue à vue d'œil. Bah, prends des territoires, hein, tant pis. Prends les territoires à côté de chez moi, de toute façon, il va pas t'affronter lui. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. On va faire une guerre sans baston. Juste territoire. Ouais, ça va être long. Oh, c'est déjà 40. Le score de guerre n'augmente pas. Pourquoi? Parce qu'il a pris un de tes territoires. D'accord. Sans l'Angleterre, ça m'a complètement pris. Il va reprendre un de ses territoires, ce qui est bien. Parce que du coup... Ah non, il se barre en fait. Ah pardon, non, il faut pas que je laisse se barrer. Non.
Faudrait pas. Tiens, hop, ça, des soldats vont ici. Déjà à 57%, juste avec le score de guerre de territoire. 75. Je vais débarquer au terrain qu'il a pris. Peut-être ça va augmenter le score de guerre. Ou est-ce que tu veux que je l'affronte? Je peux envoyer mon armée directement vers chez toi. Elle va arriver dans 2 mois. Ouais, t'inquiète. Viens là, et puis là, de toute manière, la bataille va bientôt commencer. Je vais attendre que t'arrives. La bataille, c'est... les deux ennemis se regardent. C'est ça. Bouge dès pas. Dès que je sens que tu peux être là très... que tu peux... Ah, attends, je vais y aller. Ils se barrent. Je suis obligé d'y aller. Oh, merde. J'ai pas fait attention. J'étais trop occupé avec mon nouveau chat. Ah, il me balade, gars. Hein. Je vais attendre que t'arrives. Ah, non, on va l'attaquer là. L'attaque arrive. Tu gagnes la bataille. Ça me dit que j'ai des chances égales. Et écoute, ça a l'air de bien se passer. Je pense que je vais arriver quand ce sera fini. Et du coup, l'assassinat du roi de Danemark, ça se passe comment? Ah, bah il est mort. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il reste plus que son fils. Mais je lancerai le complot quand on aura de l'argent. Là, il n'y a pas du tout d'argent. J'ai de l'argent. Ah, t'as le complot pour contre son fils, toi? Ouais. Je tue son fils. Je me suis mis en dette. Et du coup, son fils, c'est moi l'héritier, c'est ça? Ah non, il a un prochain héritier qui n'est pas moi. Ah non, mais ça, c'est pour le royaume de Danemark. Pour le royaume de Norvège. Ah bah c'est pas moi non plus. Allez, je peux pas m'énir moi-même. C'est la guerre, tiens, prends ça. On ira tous au Valhalla. Avec toi. On ira. La guerre. Voilà, c'est bon, il est mort. Ah. Boum. Ça y est. On a un nouveau roi de Suède dorénavant. On va accorder une petite audience, hein. Quelle beauté. Ouh, merci pour les 200 pièces d'or. Et la Suède avec le drapeau style viking. Alors, tout nous déteste. Ah, Odin. Ça y est, j'ai embrassé la foi, Odin. Tout le monde me déteste. On va déjà organiser un banquet avec les 200 pièces d'or de personne. Voilà, parfait. Tenir un grand bloc, une fête sacrificielle. Ah ouais. Vite, on va sacrifier tout le monde. Tout le monde va venir à ma fête sacrificielle. Ouais, tout est super. Trop bien. J'adore sacrifier des gens. Tout le monde dans les cachots. Ah non, on a une superbe Asatru. Ah non, c'est une Asatru, mince. Dommage que j'ai pas de cato dans ma prison. Ça aurait pu être rigolo. Mais le Lapland va devenir Asatru. Je me pose parce qu'il faut que je convertisse tout le monde. Hein. Ouais, vas-y, prends ton temps, pas de soucis. Donc là, du coup, au niveau de... Oui, voilà, au niveau de l'élection, je suis sorti totalement de l'élection du titre de Norvège. Donc, ce sera par les armes que l'on ira prendre... Non, t'es toujours dedans. Non. Ah, t'es plus. Sorti. Par contre... Moi, je suis pas commandant, c'est Costa Rica. Le roi veut commander la bataille, s'il vous plaît. Bon, voilà. Le roi de Norvège est maintenant séparé du roi de Danemark. Il désire des comtés.
Ça va faire mal. Ils ont quand même beaucoup de troupes. Ah. Ça va, tu gères? Ça va faire mal. Alors, Kyo, ça se peut que j'aurais besoin de toi pour une durée très longue, je dirais au moins de 2-3 ans, avec plusieurs guerres à affronter. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau interne, c'est ça? Au niveau interne, bah, c'est un peu logique, ils sont tous catholiques, et il y a un mec qui s'appelle Je suis qu'un païen, et Ouais. qui est au pouvoir. Alors, tu comprends, c'est un peu compliqué, la politique, tout ça. Ouais, je comprends, j'arrive tout de suite. Tant qu'on peut faire du bon boulot. De toute façon, c'est bien, comme ça va te permettre de faire un petit peu le ménage dans ton royaume. Ouais, c'est bien, je suis trop content, waouh. Bah, je me doute bien. Guerre de revendication du prince. Le ménage. On va quand même passer le balai, hein. Ah bah là, oui. Alors, un tout, je suis théologicien, maintenant on va progression de la fascination culturelle, c'est bien ça. C'est pas moi le chef le chef culturel, mais Kyo, deuxième guerre. encore. Ah oui, et ça va péter dans tous les sens. Attention. D'accord, très bien. Bon, au moins ils sont divisés, c'est bien. Et ouais, et nous on va mieux régner. Exactement. Je C'est sais surtout faire des pas. batailles hein, qu'il faut faire. Pas besoin pour les sièges. Ouais, justement, là, j'étais en train de séparer mes assiégeants et mes hommes de combat pour pouvoir intervenir plus en douceur, enfin moins en douceur, Mais non, du ils s'affrontent entre eux, regarde, c'est beau. Ils coup. s'affrontent On va entre prendre le gagnant. On va prendre le gagnant, ça va être rigolo. N'importe quoi. Ah, il y a une troisième Voilà, donc faction qui c'était va les arriver. 1800 hommes. Et ben voilà. Du coup, maintenant, ils se retrouvent à 8000 hommes contre 1000. Tout va bien. Tout va bien, tout est normal. Mince, ma femme est morte. Oh, Faut que bam. je me trouve une autre femme correcte. Si possible, qu'il ne me fera pas d'enfant. Parfait. Kyo, tu pourrais venir au sud. J'arrive. Tu vois tout ce qui est en rouge? Tu vois toutes les armées au Ouais, sud? mais ça va, c'est des petites Il armées faut tout de taper. nuls, quoi. D'accord. Tout détruire, Kyo. Hein. Ah, c'est bon, il y a Oh, l'allié mais en qui arrive. plus, t'avais des alliés, t'avais pas besoin de Mais moi. si, si, quand même, un petit peu. On sait jamais. Ce sont des catholiques qui peuvent toujours faire venir un autre sacré. Hein. C'est vrai. N'aurez pas ma capitale! Ya! Yala. Le pays est en guerre civile, mais bon, on tient. C'est ça. Le pays est en guerre civile, mais nous sommes heureux. Voilà, c'est ça qui compte. Il aura encore quelques petites armées. De toute façon, je pense que tout le pays va se retrouver au cachot. Hein. Il Ah aura un bah, remaniement. clairement, Je vous c'est dis le certain. truc. Tu
Merci pour ton aide, Kyo. Je fous rien, ne t'inquiète pas. Okay, merci, merci. T'as pas besoin de me remercier, je ne fous rien. Mais si, mais si. Tu m'aides grandement. Non, je ne fous rien. tu m'as dit déjà que ça servait à rien d'assiéger. Moi, qu'est-ce que je fais? Ben, j'assiège tout le monde. Oh, il y a une guerre de 7000 hommes qui m'attaque, c'est qui? Ah bah tiens, il y a le roi d'Angleterre qui attaque avec 7000 hommes pour récupérer Yorvik. Ah, superbe. C'est la guerre dans tous les sens! Ah c'est bon, une guerre gagnée. Ah, celle-là elle est gagnée. Pause. Il y aura beaucoup de pauses. T'inquiète, t'inquiète, vas-y, prends Alors, ton lui est temps. prisonnier, on peut révoquer son titre. J'ai mes assiégeants qui vont se faire avoir. Mes assiégeurs qui vont se faire avoir. Il veut pas se convertir le mec. Bah, tu ronds sans invocation, j'ai un hameçon contre toi, non? Même pas. Tu ronds juste sans Non, invocation. pète-lui tous ses titres. Hein. Tant pis pour la tyrannie. Ça me fait gagner du stress. Bah ouais, mais bon, hein, c'est comme ça qu'on règne. C'est comme ça qu'on règne. Ce qui est Et pas si bien. tu feras attention, t'as trois duchés. Hein, en fonction du nombre de duchés que tu prends, ça risque d'être compliqué de te faire apprécier de tes vassaux. Ils sont tous à moins 100, du coup je pense l'appréciation. Ouais, donc du coup, c'est peut-être les exécutions qu'il faut faire, du coup. Les trucs qui tapent, qui tapent sur voilà, la redoutabilité, quoi. T'es déjà à 38, ce serait bien de monter ça à 100, tu vois. À toi de convertir. Oh là là, il y a la musique derrière en plus qui s'emballe. Et... Tiens, ouais, y a qui d'autre qui s'était rebellé? Ah, il y a lui aussi. N'y a plus de République. Voilà, ça c'est fait. Après, tu exiges la conversion, renoncer aux revendications. Par ça, c'est tout. Il y a d'autres vassaux là-bas? Non, il n'y a rien d'autre qui s'est rebellé. Et je vais devoir distribuer. Oui. Maître des lames, ouais, c'est seulement pour la maladie, on est bien d'accord. Mais ce gars est fort. Le roi Sven Krudsen de Norvège est fort, quand même. Ça Svelte va être chaud. de Norvège. Du coup, aussi, il est allié au Saint-Empire romain germanique, donc. On va éviter, hein. Ce serait bien que je prenne la Norvège avant que l'autre meure. Parce que bon, j'ai pas trop envie d'affronter le Saint-Empire romain tout de suite. Hein. Pareil. Bon, voilà, c'est bon, c'est reparti. Ah, il y a du stress, bah oui. Et... Odin ne meurt jamais. Voilà. Voilà, ça gère, ça gère. Du coup, tu dis, il faut faire des tortures. Embaucher quelqu'un comme bourreau et ensuite faire des exécutions publiques. Non, mais juste pour se faire la redoutabilité, je fais juste des jeux Ah de oui, pour faire de la redoutabilité, c'est simple, tu butes juste des gens importants en fait. D'accord, juste, attends. Ouais, non. Juste des gens importants, d'accord. Ouais, parce que les roturiers, ça ne rapporte plus de redoutabilité quand tu les Il y a tues. un comté? Et un compte, oui, ça fait monter la redoutabilité. Ah, ça me fait perdre du stress de tuer des gens.
C'est logique, c'est le mec qui veut pas passer des comtés, mais tuer des gens, ça le fait, ça le déstresse. C'est ça. C'est bizarre, mais bon. Alors, bah tiens, 16 000 hommes là-bas. Ouais, donc ça passe. Ça, je pense qu'on va. Ah, bah, peut-être que je ferais mieux de m'occuper de là-bas, du coup, vu que t'as la situation à peu près sous contrôle chez toi. Ouais, là, maintenant, il reste plus que le. Que l'Angleterre, quoi. Allons en Angleterre, Favali. Attends. Il y a encore. Il y avait juste un seul comté à terminer. Attends, il y a lui aussi. Possible, tous les Azatrous Vas-y, sont vas-y, prends rebellés. ton temps. Il y a même certaines personnes qui étaient Azatrous qui sont rebellés, tu vois. Lui, c'est fait. Et le dernier, les deux derniers, c'est bien ça, c'est bien. Quoi, ils sont où? Ils sont pas en prison. Ah si, lui, il est en prison. L'Angleterre, t'es sûr? Ils sont 7 000. Bah, écoute, faut bien défendre ton territoire. D'accord. Je vais écouter Maître Kyo. Après, t'es pas obligé de m'écouter, hein, mais. Je vais écouter Maître Kyo. Ok, d'accord, mais bon, c'est peut-être une mauvaise idée, tu vois, mais. Mais moi, je suis confiant sur le fait qu'on puisse y arriver. Je vais continuer à écouter Maître Kyo. D'accord, très bien. Fais Fais donc. don, fais don. Ouais. Bon bah on va en Suède alors. En Angleterre. En Angleterre, ouais. D'accord, c'est parti. Ouh là là. Comme c'est mignon, tu es devenu mon ami. C'est beau, hein. Une belle amitié, hein. Ah tiens, le royaume de Norvège est indépendant du coup. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. T'as pas pris la mer encore, mince. Je vais aller sur Lincolnshire. Mais non, mais C'est pas fini, il faut Kyo. les buter en fait. Il faut les Attends. buter et dessiéger leur endroit. Il y a peut-être une autre faction qui vient d'arriver. T'inquiète, on va résoudre le problème de l'Angleterre vite et bien. Regarde, pose-toi là où je suis. J'arrive avec mes 3 000 hommes, parce qu'il en reste de mon armée. Et ensuite, on va attaquer celui qui a un commandant à 15. Ah, sauf s'ils m'attaquent en premier, ils vont m'attaquer en premier. Venez là, s'il vous plaît. Merde, ça va être la misère là. Oh purée, ça va être chaud. Je pense que c'est la mort. Non, on a... Voilà. D'une autre façon, la Grande-Bretagne, c'était pas une priorité. Hein. Bon, bah ok, dans ce cas-là, c'est... La Je réponds priorité, pas. c'est quand même survivre au royaume. Et il y a d'autres qui se révoltent là-bas. Peut-être pour ça aussi. Ok, pas de soucis. Et on est à 51 minutes d'épisode, mon cher On va Favali. devoir Ça, arrêter c'est alors. encore l'épisode qu'on va découper en deux, ça, c'est Ça sent encore terrible. l'épisode, oui. Et t'as 5 000 troupes. Bah oui. Et tu t'amuses à attaquer des territoires. Bah la Scandinavie, Favali, la Scandinavie. Ouais, la Scandinavie. Bon, on va s'arrêter là alors. Yes. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Des bisous à vous et à la prochaine pour voir nos aventures avec le roi de Lapland et le roi de Suède. Bisous! À bientôt!